Check. Check du pied. Et moi? Trop bien. Bienvenue sur notre chaîne de vlog famille. Attends. Il fait le pont. Ouais. Bienvenue sur notre chaîne de boulet de famille. Bonjour à tous. Il nous faut à peu près un quart d'heure pour appuyer sur le moins un. Voilà, pour descendre au parking apparemment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et nous allons où, Ellie? À mon restaurant de jouets. Ton restaurant de jouets. On va dans un petit resto pas très très loin de la maison avec un espace kid friendly super sympa, une animatrice le week-end et tout. Donc comme ce matin, Loïs m'a dit oh, ouais, tiens on va faire ça. Donc voilà, on a réservé et direction le déjeuner. Bon, on est arrivé. Moi je prends un petit apple mojito, donc un mojito à la pomme sans alcool. Eliora n'est pas là puisqu'elle est déjà à la petite salle de jeu. Il n'y a malheureusement pas l'animatrice cette semaine, mais c'est pas grave, elle s'amuse quand même. Et voilà, on va profiter un peu du moment calme. Le petit poulet frites pour Eliora, qui est délicieux. Du coup, moi je me suis pris un poulet curry et Loïs il a repris la poire de bœuf qu'il avait pris la dernière fois. Ça y est, on a fini de déjeuner, là on va au passage parce que je voulais aller à la Fnac chercher des livres, y compris ceux pour lesquels Laure est venue là quand elle a fait son petit meet-up à la Fnac à côté de la maison. C'est avec c'est des masques à gratter sur le thème de Disney, ça j'ai trop envie d'en prendre pour Ellie. Puis moi je voudrais me prendre des livres aussi, voilà, comme ça vous savez tout. On est rentré à la maison et je suis passée à la Fnac chercher les masques à gratter. C'est Laure qui me les a présentés quand elle est venue faire son petit truc là. Et du coup j'en ai pris deux pour Eliora. Elle va choisir lequel elle veut faire. Ils sont en train de se chamailler les deux là-bas. Et ça va être sa petite activité pendant que... Loïs a décidé qu'il allait s'occuper de trier et ranger la cuisine. Enfin surtout le frigo. Parce que moi je n'arrive pas à le faire. Merci, parce que j'ai trop de nausées encore. D'abord je vais me faire un café. Mais d'abord il va se faire un café. Il existe le orange et le rouge. Tu es concentré? Pour d'un bruit vol. Oui. Je lui ai mis son petit poncho qui brille. Il pleut pas mais il est beau donc on le met quand même. Tu sais pourquoi je vous montre ma bouche? Cet après-midi j'ai pas vlogué. Tu sais pourquoi je vous montre ma bouche? Parce que ça me pique la bouche. Ça te pique la bouche à force de manger des curly. Parce que maman l'a craqué, elle a mangé des curly. Donc du coup, hop, faut que je me relève maintenant. C'est le problème d'aller en bas. Cet après-midi c'est Loïs. Oups. Oh bah. Du coup j'étais en train de vous dire, allez, on est transparent. Oh là là, même la luminosité me fait mal. Donc du coup, cet après-midi je n'ai pas vlogué puisque je n'ai rien fait. Ouais, alors moi j'aurais pu vlogger hein, parce que alors là... Loïs a nettoyé tout le frigo parce que c'est un truc que j'arrive pas à faire depuis que je suis enceinte parce que franchement ça me dégoûte les odeurs. Ouais, bah moi aussi, mais pourtant je suis pas enceinte. Oui mais bon, tu pouvais le faire, hein. Moi ça me dégoûte, voilà. Je le fais quand même tu vois. Voilà, mais je l'ai fait, je l'ai fait. On mettait un pouce vers le haut pour dire bravo Loïs. Bravo, et bravo. Donc là il est 19h20 et on part. Ouais, je fais ça papa. On part chez ma maman. Ouais, comme ça, le pouce comme ça, il y aura bravo mon cœur. On part chez ma maman parce qu'on dîne chez ma mère, on prend l'apéro avec mon frère et mon parrain et sa femme. Et ensuite on dîne ensemble, mais pas mon frère parce qu'il a déjà un truc de prévu. Donc voilà, sauf que c'est le retour de la migraine, en ce moment c'est tout le temps. Et j'ai complètement craqué, j'avais faim, alors qu'on a mangé correctement à midi, c'était pas ouf mais c'était pas mauvais. Et j'avais faim mais pas de sensation de satiété, ça c'est vrai. Et par contre là j'ai eu genre envie de saler de ouf et le seul truc qu'on avait à la maison que je pouvais manger rapidement comme ça c'était des curly. Je me suis presque fait le paquet, je dirais bien la moitié du paquet. Il est dans la cuisse gauche. Alors que ça ne m'arrive jamais ce genre non, de truc. Non, jamais. Pas plus de deux fois par jour. Non, mais n'importe quoi. Pas plus de deux fois par jour. Mais sois sérieux un petit peu, chérie. Ça ne m'arrive jamais. Pas plus de deux fois par jour. C'est chiant. Ça m'arrive jamais. Je grignote pas. Non, je fais le dire. Je suis pas du tout adepte du grignotage. Non, pas du tout. C'est pas mon truc. Mais là, sans déconner, ça fait deux jours que j'ai l'impression de faire des journées de dingue. Alors que non, pas du tout. Le bébé doit bien grandir. Le bébé qui fatigue maman, hein chérie? Hein ma fille? Oui. Mais ça veut dire qu'il grandit bien ce bébé. Et toi aussi tu grandis bien? Ouais mon cœur. Mais
dire un truc à remplir pour dire oui. Donc du coup je sais pas. En fin de compte, je sais pas combien de temps va durer ce vlog parce qu'il va être ridicule. Mais la bonne nouvelle c'est que maman a fait de la cuisine. Voilà. Bon, tout le monde est arrivé et on va prendre l'apéro. Bah y a pas grand chose maman, franchement. Vous vous rappelez de Coco? Coucou Coco. Ah non, mais tu m'en prends une. Bon, on a fini de manger. Moi je suis en train de boire mon faux champagne là, sans alcool. Ça s'appelle de la Jaillance si ça vous intéresse. C'est du muscat pétillant sans alcool. Ça s'appelle de la Jaillance. Non. 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 Elle préfère le vrai. Je préfère le vrai. Ouais. Loïs, comme d'hab, il est encore sur son jeu. Voilà. Loïs, arrête. J'apprends à parler russe. J'apprends à parler russe. Arrête, Loïs, c'est pas poli ça. Ouais, c'est pas bien. Hein. Non, pas bien, Loïs. Pas bien. Mais vu que c'est moi qui vous invite, je fais ce que je veux. Non, c'est pas toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est mal poli, cet homme là. Les cornicons. Elles sont où tes lunettes, le bigleu? Arrête, j'ai mal aux yeux. Là, j'ai mal les avoir. Oui, mamie oui, Catherine nous a fait des choux. Regarde, non, c'est vraiment, voilà, enlève-moi ces cornichons. Mamie nous a fait des choux. Oui, ils sont trop beaux. Moi, je suis sceptique sur le goût, parce que poire, ah. Poire litchi. Non. On vous dira. Non, mamie, on va goûter. On va goûter. Il n'y a pas de pépito. Il n'y a pas de pépito. Je vous goûte. Prie. On a laissé. Je m'arrête pas. Je suis un fou. Je m'arrête pas. Je te dis. Ils ont retiré, regarde. C'est des fous. On a laissé. Ah merde, elle est partie en fait. On a laissé. Oh là là. Ah, oh le travail. Elle est bien quand elle est dangereuse pour la santé. J'ai envie de vomir. Donc je vous disais. Avant de vomir? Non. Avant d'avoir une nausée de l'espace. Non, je vais pas vomir. J'ai l'impression, mais non. Là c'est mouillé, là. Non. C'est normal. Arrête, Loïs. On a laissé Eliora chez sa grand-mère parce qu'elle nous a évidemment demandé à dormir chez sa grand-mère. Quel dommage. Ce qui va nous permettre de dormir demain matin, même si on a prévu d'aller faire le marché. Enfin, ouais, pas autant, on va pas faire un gros marché, mais un petit marché. Bah non, vu ce qu'il reste dans le frigo. Bah il reste pas grand-chose en fait, Loïs. Les deux bacs sont pleins donc. Bah non, ils sont pas pleins. Bah écoute. Il reste plus de tomates. Il reste non, c'était tomates, c'est pas les tomates du marché, c'était tomates qui mûrissent jamais. C'est les trucs que t'avais acheté. Pas de goût. Donc on a mangé quasiment la moitié de plus de la moitié de tout ce qu'on a acheté en volaille. Faudrait aller acheter un peu de viande rouge, racheter des saucisses si on a plus. Alors, dis-moi. Bon bref. La question n'est pas sur la liste de courses. Non mais vas-y, je t'en prie, hein, fais la liste des courses avec les abonnés, on va voir si ils sont d'accord avec ce qu'on a pris ou pas. Non. Moi j'en prends le recette. Ah ouais, moi neuf. C'est pas possible. Donc on a laissé Eliora chez sa grand-mère. Elle va très bien s'amuser. Elle est très contente parce que c'est elle qui nous a demandé. Donc je sais pas ce qu'elles font demain. Nous on ira la chercher tranquillou. Quand on voudra. Pas trop tard. Pas trop tôt non plus. 21h. Non. On va dormir un peu, je pense, se reposer. Peut-être ranger la maison. Ah ouais, putain. Oui, c'est envie de ranger la maison. C'est lui qui commence à faire la nidation. Le petit cocon. Ça tourne. Tu peux faire attention quand tu conduis, s'il te plaît, parce que je viens limite de vomir dans la caisse et tu prends les chicanes comme si t'étais sur un. Comme si t'étais sur un circuit. Tu en prends un, mais j'en ai pas trop. C'est un peu dur là pour moi. Ça va faire un pied. Moi j'ai pas trop kiffé le repas ce soir, il y avait pas. Ça passait pas des masses pour moi. Non, mais c'était bon, mais ça passait pas pour moi. Ouais, on a oublié de prendre les concombres. Il y a deux dans le grenage. Non, ouais, mais j'ai la flemme de les préparer, ça voilà. Était prêt. Monsieur. Non, oh, je vais vomir. Oh. Non, mais Loïs, sans déconner. Arrête, t'es chiant là. Oh, arrête. Allez, vraiment. Je viens quasiment de vomir dans la voiture. Il s'amuse à faire deux fois le tour du rond-point. Retourner chercher les concombres. Non, je t'ai dit. Oh là là. En plus, ça tourne partout. C'est de ma faute, mon amour. C'est moi qui fais toutes les routes pour rentrer jusqu'à la maison. Il n'y a pas une route droite. J'ai appelé tous les maires de toutes les communes et j'ai dit maintenant, faites-moi un parcours. Non, mais il n'y a pas une rue droite pour aller chez ma mère. C'est bizarre. Non, il n'y a pas de. Pas tout droit. Bizarre, ça tourne. Il y a des ronds-points partout. Un petit peu d'eau pour la passer à route. Oh là là. Bon, je vais clôturer le vlog là, je sais pas trop combien de temps il aura duré. Bonne nuit, c'est pas
la durée qui compte, on va dire ça comme ça. Journée, voilà, petite santé, non, je sais pas comment on dit, petite forme, voilà. Mais bon, tout va bien. On est content. Il est content. Moi, je me dis que quand tu es fatigué comme ça, c'est que le bébé il grandit bien. Ouais. Il me fait bien de travailler. Ouais. Voilà ce que je me dis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir.